C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre eux s'éprouve soi-même et ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sanctionner le corps du Seigneur mange et boit le jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il n'y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas,
attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez vous, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole que nous venons d'ouvrir. Et maintenant, voici le moment venu où tes enfants vont s'approcher de cette table sainte. Par la foi, Seigneur, nous savons que ce corps, ce pain qui représente ce corps meurtri sur la croix, est aussi fort en ce moment qu'il y a de cela de 1000 ans. Par la foi, Seigneur, nous reconnaissons que le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur, a la capacité de nous laver et de nous purifier. Et nous donnons grâce pour cela. Bien, Seigneur, bénir ce pain que nous allons manger ensemble. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Ma sagesse et ma science, c'est Jésus. C'est le numéro 114 sur les ailes de la foi, le 52, dans l'espérance. Nous attendons Maïs Wabala, qui nous donne le nom nécessaire. 52. C'est le 114. Mortez-vous, voulez-vous savoir, ma sagesse et ma science, montrez-moi la réponse, thank you.